Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure sur ce beau Playtale Innocence. On va continuer l'aventure, donc on enchaîne sur l'épisode 4, l'apprenti, où on avait réussi avec Anissa et Hugo à s'échapper de cette grotte infectée de rats. On a réussi à échapper aux rats, donc écoutez, on va continuer l'aventure pour voir ce qui va se passer désormais. Donc sans plus tarder les gars, on passe directement aux hostilités, c'est parti. Et voilà, nous revoilà du coup, on avait échappé aux rats, donc maintenant là-haut, on se retrouve... un moulin, c'est la ferme de Laurentius. À l'extérieur. J'espère. J'ai jamais vu un vrai moulin. Si on reste prudent, tu en verras un très bientôt. On va chercher le fameux Laurentius, pour qu'il puisse nous aider. Allez, allez, on y va. Amicia, regarde! C'est un de ceux qui ont attaqué la maison! L'Inquisition. Ils sont là. Mon Dieu. Allez, on accélère. Comment ils font ça? C'est des animaux, bordel! Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai l'air d'un rat, peut-être? Faut se cacher là. Ce que je dis, c'est qu'on se débarrassera pas de ces nids avec de la chaux. L'important, c'est qu'on soit parti quand le soleil sera couché. La nuit, c'est leur territoire. Allez, j'y retourne. Ok, utilisez le jeu métallique dans l'environnement pour détourner l'attention des ennemis. Maintenez R1 pour sélectionner leur projectile. Maintenez L1 pour le viser à la main. Ok. Sauf que là, si je passe, il va me voir logiquement. Ah bah ça va, je suis full en pierre. Hein ? Il a rien vu. C'était une erreur de ma part. C'était une erreur du joueur français. Où est-ce que je peux l'envoyer là? Parce que lui, du coup, il va faire chier. Ça me dit rien comme bruit. Le truc, c'est que s'il y va, il faut que j'aille où là? Ouais, mais là, il va me voir. Il faut qu'on passe quand il soit de dos. Non, rien. Y'a rien du tout. On va passer quand il se retourne. Voilà, parfait. Ouf, c'était chaud, hein, quand même. Amicia, regarde! Il y a un pont qui va vers la ferme. Ouais, mais lui, il m'inspire rien qu'il vaille. Ça rime à rien, tout ça. Le grand inquisiteur devrait nous dire ce qu'il attend vraiment de nous. Ok. On va l'envoyer valser, lui, hein. Ouh, là, il m'a pas vu. Où est-ce que je peux l'envoyer valser? Là, y'a rien, là. Peut-être que je peux le tuer, en fait. Oh, j'ai peur qu'il bouge. Amicia! Je n'ai pas le choix. Moi non plus, je n'ai pas le choix là. Ouf. On l'a eu au pile au bon moment, je suis désolé. Mais là, j'avais pas le choix, Hugo. Hein. Je sais que t'as vu des choses horribles, mais là, je t'avoue que là, c'était assez tendu. Ça fera la paix. Why? Avec le deuxième barrage, plus personne ne passera. Je vais sur le pont. Le chariot va revenir avec les autres barrières. Oh, fais chier. Ouh. On va se cacher. Il y a un trou dans le mur. Je passerai pas. Tu vas devoir y aller pour ouvrir la fenêtre. Mais ils vont me voir. Je vais les occuper. Fais-moi confiance. Ok. Attends, on va attendre le bon moment, Hugo, d'accord? Donc ce que tu vas faire, on va faire ça. Ça a bougé par là. Garde, des intrus. Oh non, j'ai été vu. Oh shit! Je me suis trompé de touche! Allez, on recommence. On perd pas de temps. On est piégé. Il y a un trou dans le mur. Je passerai pas. Tu vas devoir y aller pour ouvrir la fenêtre. Mais ils vont me voir. Je vais les occuper. Fais-moi confiance. Dès que je tire Hugo, tu y vas direct.
Dès qu'il est de dos, hein, bien sûr. Hein. C'était quoi ce bruit? Attends, il va partir. Allez, j'y vais. C'est ça, mon grand. C'est ça, mon grand. T'es génial. Oh, mais quel garçon. Quel garçon courageux. Rien à signaler. Oui, à moi maintenant. On va refaire la même. Allez, vas-y, mon coco. C'est la deuxième fois. Je dois voir ça. Bravo. Il faut qu'on parte, Amicia. T'es un génie, Hugo. Je me ferai pas encore avoir. Comment on va faire pour lui, là? Je peux l'envoyer où, lui, là, du coup? C'est un peu tendu, ce qui se passe. Comment il entend pas ça? Très intéressant là. Très intéressant, dites-moi. Ah. Ah, évidemment. Évidemment. C'est quoi ce boucan? Maintenant. Fermez l'accès à la ferme. Dites au seigneur Nicolas que la route est fermée. Toute personne ou véhicule qui passerait par ici doit être arrêtée et fouillée. On cherche qui exactement? Un gamin de 5 ans, Hugo de Rune. Cheveux marrons, les yeux bleus. Est-ce que tu parles de moi? Le seigneur Nicolas le veut vivant. Chut. Ah, c'est pas le genre du capitaine de la garde pourpre de les prendre vivants. C'est impératif. C'est pression, les gars. Le seigneur Nicolas tient ses ordres du grand acquisiteur lui-même. Alors, ouvrez l'œil. Ok. Comment on va faire du coup là? Ils sont tous dodo. On peut peut-être y aller. Il va falloir contourner. Hein. On va passer par l'eau. Oh shit! Ok. Caillou. Je sais pas où il va lui, mais il y en a un autre là-bas. Attention, il y a un garde! Oui! Là, bien sûr, il nous voit pas. Hein. C'est génial, ça. Ah, c'est par là, là. Hein? Étrange. Putain, j'ai plus de verre. Qu'est-ce que je peux faire là? C'est un peu compliqué. Oh putain.
Ouh. Ok. J'ai un vase, il va falloir bien l'utiliser. Quelque chose par là. Allez, allez. Attention en redescendant. D'accord. Pas de bruit. Dit. Ok. Ouh, c'était chaud, hein. Alors, est-ce que je peux améliorer quelque chose? Oui. Ma pochette. Réduit le temps nécessaire pour atteindre la précision maximale. On va améliorer la pochette. Allez. Ça va me simplifier la vie. Ça, c'est vraiment une séquence qui me fait penser à The Last of Us, hein. Amicia, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils me cherchent? Tu n'as rien fait. Non, ce n'est rien. Ce sont eux, les coupables. Ce n'est rien. S'ils nous attrapent, est-ce qu'ils vont nous faire mal? Ils ne vont pas nous attraper, d'accord? D'accord. Allez, on continue. Ah bah oui. Hugo? Hugo, tu es où? Oh, Hugo, ça me fait pas rire. Non, il est où? Il est où? Hugo, si tu ne viens pas tout de suite, je te laisse ici. Je suis là. Oh. Je voulais juste jouer. Tu crois vraiment que c'est le moment? Ne refais plus jamais ça. Ah oui, pardon. Why? Ils sont là. Oh ouais, on l'a vu. C'est un saint. Il nous sauvera. Et il a besoin du Seigneur Nicolas. Et de nous aussi. Ouh. Ok. Pour ça. Ouais, c'est vrai. Ne doute pas, mon frère. C'est bon, il se barre. Un petit coffre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du loot. On prend. Ok. Je pense pas que les animaux doivent nous voir. Hein. Je pense que si les animaux nous voient, on est dans le caca vis-à-vis des gardes. Oh putain. Là, il a pas l'air de bouger. Vas-y. Oh, ils sont nombreux. Ouais. Lui, on va l'envoyer passer là-bas. Il venait d'où ce bruit? De là-bas? Allez, bouge. On est ici, ils peuvent rien nous faire, ils peuvent pas nous voir. Tranquille. Allez, y'a rien ici. On va par toi. Merci. Attends, parce qu'il aurait fait le tour. On va attendre qu'il se barre. Oh, cette pression, les gars! Pas de cardiaque pour jouer à ça, hein. Allez, c'est le moment. Oh là là, mais y'a du monde de ouf! Hé, hey, j'ai vu l'un des nôtres tout à l'heure sur un chemin. Il était mort. On l'enterre pas. Genre là, il m'a pas vu? Ouais. Oh putain. Oh. Bon. Il y a tellement du monde. Bon. Ben, il restera où il est. Oh, c'est chaud cette séquence là, hein.
Oh la vache. Ah non, mais il est de dos. Je suis un ouf. Oh, cette pression. C'était quoi ce bruit? Ce bruit. Faut que j'aille voir ce que c'était. C'est par là. Toujours rien. Oh là 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 là. On y est presque, on y est presque. Ça Hugo. Quoi pour sonner le retour au camp? Il fait presque nuit, bordel. On approche du but. Bon, là on est bien caché pour l'instant. Pas de soucis. Ok, 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 ok. Maintenant. Parfait. Lui, quand il marche de l'autre côté, on y va direct. Genre... maintenant. Ouh. Ok, ok, ok. On est pas mal du tout là, on se débrouille très bien les gars. De la sortie. Ils peuvent okay. Plus nous voir, hein? Non, c'est bon. C'est maintenant. Allez. C'est ça, Hugo. Repli? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mais ça m'annonce rien qui vaille. Ok, ok, on continue. Hugo. Ah. On ne doit pas s'arrêter. Pas oh, ici. Bichoune. Je me sens bizarre. Allez. Tu te reposeras quand on arrivera chez Laurentius. Ma tête. Ça fait mal. Je sais pas courage, ce qu'il faut faire. Bon courage. Elle faisait quoi, maman? Elle me tenait un remède. Je vais te porter. Je peux pas faire mieux. Allez, grimpe. Oh, c'est vraiment mignon cette séquence. On est là pour le frérot. On sera toujours là pour le frérot. Tu sais, maman veut pas que je sorte de la maison. Je sais. Ça doit être pour ça que je me sens bizarre. Ouais, je pense aussi. Tu es fatiguée, c'est tout. Elle me manque. Je comprends. Toi, au moins, tu avais le droit de la voir. Hein? Non, rien. Vraiment des séquences, de très belles séquences avec des petites musiques comme ça. J'adore les gars. C'est le moulin. On y est presque. On y est presque, enfin. Il va m'enfermer encore? Il va te mettre à l'abri. D'accord. C'est vrai que c'est dangereux dehors. Mais des fois, c'est bien aussi. Tu iras mieux un jour. C'est des animaux morts? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On va devoir être très prudent. Il vaut mieux que tu descends, Hugo. Ouais, là, il va falloir faire attention. Ah, oh, ça rentre dans mes chaussures. Oh. Ah, wow. Il y en a une. La torche. Vers la torche, vite. Torche, 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 torche. Oh, shit. Je m'attendais pas à ça du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On court vers l'autre? Courir! Calme-toi, c'est bon. Okay. Ils peuvent pas nous atteindre. Allez, on continue. Ouah! C'est lui qui les fait sortir. On ne craint rien si on reste loin d'eux. Ah, waouh! Il nous faut du feu. On doit sortir de là. On est piégés. Ok, je sais.
On va faire un tour. Mais c'est une blague. Mais montez les gars. Ok, on court, on court, on court, on court, on donne tout ce qu'on a. Hein. Oui, oui, j'ai vu. Cours. Allez, plus vite. C'est bon. Monte. Je vais t'aider. D'accord. Oh, cette séquence. J'étais pas prêt du tout pour ça. Allez, on suit la torche. C'était juste. Petit problème là. Oh, cette boue. On passera pas. Là, on a un petit problème là. Comment est-ce qu'on fait? Vous êtes drôle là par contre. Comment on fait là? Vous êtes sacrément drôle. Ouais. Faut leur jeter un... Ils s'en foutent. Là vraiment je suis perdu les gars. La barrière, elle a l'air prête à lâcher. Quelle barrière? La barrière. Ah, j'avais pas vu. Ok. Oh, mon Dieu. Ils sont vraiment... tous morts. Ils ont été massacrés. Sans doute par l'Inquisition. J'ai envie de vomir. Là, par contre, vous mentez. On n'est pas dans la boue, là. Allez, on court. On donne tout ce qu'on a. On reste dans les flammes. Dans les flammes, il pourrait nous arriver. Ok. Petite séquence où il va falloir mettre le Allons-y. Feu. Allons-y. Oui. C'est quoi, ça? Attends. Avant d'y aller... Attends, faut que je réfléchisse où il faut aller là. Faut que je monte en haut? Ouais. Allez, encore une fois. Elles sont ouf ces séquences, hein. Moi j'aime beaucoup. Allez, allumez le feu. Comme disait Johnny. Voilà. On continue. Allez, on y est presque. Allume-moi ça. Voilà. Ouh. Ok. Maintenant. Aide-moi à pousser. Ok. Allez, contre le, on contre y est presque. Amicia. On y est. Pourquoi ils ont tué les cochons? Peut-être pour contenir les rats ici. C'est bien. C'est... On lâche rien. On très, continue. C'est lourd. Je ne parle pas. Allez, on y est presque. Encore un peu de force. C'est bien, Hugo. Voilà. Parfait. Maintenant, on se casse. On l'a fait. Ouh, on y est. Ohé, Laurentius. Chut, Hugo. On est dans la maison. Mais... Et si c'était pas Laurentius, hein? Tu y as pensé? Pardon. Fermé. Personne. On doit trouver le moyen d'entrer. Oh, j'adore la petite séquence avec la musique.
un petit cheval. Salut toi. Oh, qu'est-ce que tu fais dehors par une nuit pareille, hein? Je suis désolée pour tes amis. Et m'ouvrir la porte le plus vite possible. Sois très prudent, d'accord? Oui. Oh bah c'est pas compliqué, hein. C'est bien. Franchement. Oh, ça sent bizarre. De l'alcool pur, ça vient des alambics. Poche. Donc, je vais faire 12 matériaux de chaque type. Ils font moins de... Il y a quelqu'un. Allons voir. On va faire ça, comme ça je peux avoir plus d'objets. Pas mal. Pas mal du tout. Est-ce que nous sommes arrivés chez Laurentius? Je ne sais pas. Y'a quelqu'un? Qui êtes-vous? Oui. Maître Laurentius? N'approchez pas, il est contagieux. Hugo, c'est toi? L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire. J'ai... Je comprends. Ils sont venus le chercher. Il y a un mal. Un mal ancien. Dans le sang de ta famille, dans ton sang, ta mère et moi avons essayé de freiner sa progression. Mais depuis la brisure, le processus accélère. Tu dois le protéger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Moi ? Mais comment ? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi ! Ils sont ici. Les rats sont dangereux, mais désorganisés. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse de le traquer. Nous devons disparaître. Il faut aller au château d'Ombrage. Lucas, cours à la grange. Tu dois finir l'énifère. Ne parlez plus. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais vous n'êtes plus seul maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'énifère. Ça nous protégera des rats. Viens, Hugo. Je veux pas que tu restes là. Le matériel est dans la grange. Venez avec moi. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais trouver un moyen de... Oula. Oula. Oula, oula. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode-ci. On va continuer l'aventure la prochaine fois. C'était assez stressant quand même là, hein, tout ce qui se passe. Mais là, ce que je vois, on a trouvé enfin Laurentius. Bonne nouvelle. Il y a notre très cher Thomas qui va être là pour nous aider. Donc on n'est plus tout seul. Ça va être cool. On va avancer dans l'aventure la prochaine fois. Voir comment va évoluer l'aventure. Comment vont évoluer les personnages. Qu'est-ce que va faire notre très cher nouveau camarade pour nous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. N'hésitez pas à partager, commenter aussi et à me dire ce que vous pensez également du jeu. Hein, parce que moi, franchement, ce dessin, je trouve le jeu vraiment bien. Ça représente quoi?
J'ai hâte de continuer. Donc, on se retrouvera très prochainement pour la suite de l'aventure d'Amicia et Hugo en tout cas, c'est sur joli. Ce Plague Tale Innocence. Je vous tiens au courant parce qu'on va avoir un nouveau let's play qui va débuter sur le nouveau jeu The Quarry, le jeu narratif là, qui est sorti sous peu. Donc on va bientôt lancer un nouveau let's play dessus. Je finirai celui-là d'abord et ensuite je passerai à The Quarry. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas à partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, j'essaie de passer une excellente journée ou soirée, restez safe, prenez soin de vous et je vous dis à la fois prochaine. Tchuss!